Mali, the epicenter of jihadist power in the Sahel. France and its European allies have engaged in a war against this terrorism, which threatens the Malian state and risks spreading beyond its borders. On viendra aux États-Unis, on viendra à Londres, on viendra en France, et on va conquérir le monde entier. In 2012, jihadists seized northern Mali, shocking the international community. There is a very serious threat for peace and security, not only for the whole region, but in my opinion, with global implications. In 2013, the French-led Operation Serval liberated occupied towns, but the Malian crisis intensified. French forces remained in Mali, yet many feared what was to come. Depuis la fin de Serval, le terrorisme ne fait que progresser. Ils ont changé de mode d'opération, ils se sont fondus dans les populations, ils progressent à grandes enjambées et partout. Si demain l'Afrique de l'Ouest notamment, est dans un tumulte général à cause du terrorisme, bien sûr qu'il y aura des courants migratoires, comme il y en a eu venant de Syrie ou d'Afghanistan. Donc notre propre sécurité, elle est en Afrique. The Malian crisis is above all a story of failure. Failure of a state, but also of the international community that supported it. This failure has become a breeding ground for jihadists and a dead end for France and its allies, who have no option but to leave Mali. How did it come to this? ...3,600 kilometers from France, around 6 hours away by plane. A former French colony that gained its independence in 1960, Mali's very existence is now threatened. Bamako, the capital, is the center of power and military coups, an overpopulated city heaving with merchants. The war has not reached its climax, and everyone wants to believe that there will be an end to this nightmare, like Mohamed, who is angry to see Mali suffer. Il faut que la crise s'arrête. Vraiment, c'est la merde maintenant. Il faut qu'on s'arrête la crise. Il y a de l'avenir ici. Nous, on a de l'or ici, on a de l'eau sur le sol, et puis il y a des diamants, il y a des uranium, il y a des pétrole. Mali was full of promise. Having over 20 different ethnic groups living together made the country unique. So why did Islamist terrorism and intercommunal violence descend on Mali, which in a few years became the powder keg of the Sahel? To get to the origin of the disaster, we leave Bamako and head for the north. The first event of this crisis happened in Algeria, which was plunged into civil war in the 1990s. J'ai vu des gens se faire égorger sous mes yeux. Ils essuyaient leurs couteaux et après ils donnaient des coups de pied. Ils ont tué mon mari, ils ont tué mon fils devant moi. J'ai réussi à prendre la fuite avec mes autres enfants et je me suis cachée pendant toute la nuit. Quand je n'ai plus rien entendu, au petit matin, je suis sortie. Ceux qui ont fait ça sont des barbares, des traîtres. Ils n'ont pas une goutte de sang musulman en eux. The fighters of the GIA, the Armed Islamic Group, reign terror. The 1997 massacres marked a turning point. Some negotiate with the Algerian authorities, but others want to pursue jihad, like Hassan Attab, known as Abu Amza, who founded the GSPC, the Salafist group for preaching and combat. The jihadists go underground and cross the border to seek refuge in northern Mali, an immense desert, barely controlled, where the Tuaregs live, a land they call Azawad, far, far away from Bamako. Hey,
Il y a quelques notables et responsables de la zone qui très tôt ont pris conscience du danger que l'arrivée de ces gens-là pouvait constituer pour nous. Mais la majorité de la population, la majorité des gens ne voyaient pas trop le danger, ils ne connaissaient pas les GSPC, ils ne connaissaient pas Al-Qaïda, ils ne connaissaient pas toutes ces choses-là. Donc pour eux, ces gens-là, c'était comme tous les autres qui sont là. Northern Mali has become a sanctuary for the GSPC. It remains to be seen whether the authorities in Bamako have taken into account the real threat they could represent. Nous n'avons vraiment pas été à la hauteur. Parce que les clignotants étaient au rouge. L'Algérie venait de finir, donc sa guerre. Ils sont venus se réfugier. Ils ont occupé le terrain. Ils se sont mariés avec nos femmes. On est à la frontière de l'Algérie. Plus de 1300 km de frontière. La meilleure des choses qu'un État peut prendre, c'est de prendre des dispositions pour qu'il n'investisse pas le pays. Cela n'a pas été pris. The Malian president at the time was Amadou Toumani Touré, known as ATT. The presence of jihadists in the north of the country was not a concern of the head of state until the first hostage was taken in 2003. It was on a large scale. The GSPC kidnapped 32 European tourists in southern Algeria. The Algerian army launched an assault and managed to free 17 hostages. The other 15, 10 Germans, 4 Swiss, and 1 Dutch, were taken by the jihadists to the north of Mali. They demanded a ransom of 5 million euros. Bamako acts as an intermediary and manages the release of the hostages. J'ai parlé souvent de ce problème avec le président ATT, avec le premier ministre, le secrétaire général de la présidence. Tout le monde me disait, écoutez, ça ne nous gêne pas du tout parce que ces gens-là, ils prennent des otages. Mais c'est un problème pour les Occidentaux, mais pour nous, ça ne nous gêne en rien. On a un accord tacite avec eux qu'ils ne nous attaquent pas et donc nous ne les attaquons pas non plus. Donc ça voulait dire que l'entourage du président était impliqué dans la libération des otages. Alors, en principe pour la bonne cause, mais en fait, on savait bien que des intermédiaires assez nombreux touchaient un pourcentage sur les rançons. Et donc, c'était suspect, c'était problématique, disons, que les autorités maliennes, finalement, soient un acteur aussi dans cette prise d'otages. In the 2000s, the desert tracks became transit routes for cocaine from South America. A jackpot that sharpened many appetites. According to a report by the United Nations Office on Drugs and Crime, 47 tons of cocaine passed through West Africa in 2007. Au niveau de l'État, comme au niveau beaucoup de groupements politiques, l'argent de la drogue est rentré. Donc ça a déstructuré complètement l'économie et ça crée un impact énorme. Dans la désorganisation et la déchéance de l'État, le blanchiment de l'argent de la drogue a joué un rôle fondamental dans le dépérissement économique et politique du pays. The country is sinking into troubled waters, but the international community prefers to see Mali as an example of democracy in Africa by unashamedly supporting President Amadou Toumani Touré. Je viens toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt en Afrique en général, et en particulier au Mali. Le Mali était vraiment présenté comme un élève modèle. C'était vraiment l'élève modèle des bailleurs de fonds, tout allait bien, c'était extraordinaire, la démocratie, ATT. Je me dis, c'est bizarre, l'histoire qui est racontée dans les notes de l'administration n'est pas l'histoire que je connais moi. L'élection d'ATT en 2002, il y avait des bureaux entiers où ils fabriquaient des faux PV. Nous le savions tous qu'elles étaient totalement bidonnées. Le Mali, en 2008, était déjà le village Potemkin, c'est-à-dire qu'il y avait une façade, certes, mais mon Dieu, contourner le décor, et c'était la catastrophe. Plus rien ne fonctionnait déjà au Mali. L'État malien était une fiction, un semblant d'État. C'était une illusion totale. Une illusion entretenue par la communauté internationale. Je peux le dire, j'étais ministre de l'ATT de 2002 à 2007.
avec la démocratie, les échanges commerciaux, les échanges économiques. Les bailleurs de fonds se sont beaucoup investis au Mali, donc il y avait beaucoup d'argent. Et donc, l'État, avec ses fonctionnaires, a érigé la corruption en système de gouvernement. On a laissé faire. On a laissé faire par manque d'ambition pour le pays. On a laissé faire pour ses intérêts personnels. Et quand je dis « on », c'est jusqu'au niveau de l'État. Le nouveau système multipartite démocratique, en fait, c'est un système qui a fait prendre l'ascenseur à la corruption, à toutes les mauvaises pratiques. Je pense que ça, la classe politique ne l'a pas suffisamment mesuré, parce que la classe politique, évidemment, est parmi les bénéficiaires de cette nouvelle manne, et ça a participé au discrédit. Society, poisoned by a corrupt political class, is looking for an answer. Religion stands out as a refuge for moral values. The Islam practiced in Mali is known to be tolerant and peaceful, but the arrival of Pakistani preachers from the fundamentalist Tabli movement, who are known to be fervent proselytizers, open up a new path. By advocating a return to the faith and fundamental values of Islam, the preachers offer an opportunity to regain moral values. Many young people who lost their way signed up to the Tabli, a stage of radicalization that prepares them for the jihad. In 2006, the GSPC pledged allegiance to Al-Qaeda and recruited among radicalized youth. Abdelmalek Droukdel, a terrorist figure in Algeria, became the leader of AQIM, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb. In Bamako, the jihadist threat was ignored. People still thought they were safe, but the Malian crisis will continue in Libya. In 2011, in the wake of the Arab Spring, a popular uprising was violently repressed by Gaddafi's army. The West decided to intervene and launched Operation Harmattan. From Mali's perspective, this intervention was very bad news. Gaddafi aided beaucoup les pays sahéliens, notamment le Mali. Et ici, la Libye a beaucoup investi dans le secteur hôtelier, dans le secteur bancaire, et dans le secteur même un peu religieux. Parce que Gaddafi ne se prenait plus pour un président, il était un guide. Donc, en fait, Gaddafi a joué tout sur tout ça pour se donner une légitimité aux yeux des populations du pays. But Gaddafi ends up renouncing his power. It is the end of a 42-year reign, and the Libyan leader is lynched by the crowd. No one is interested in Libya anymore. NATO planes return to their base, and the Tuareg fighters who served Gaddafi return to Mali with their weapons. Tous les Africains savaient que si la Libye tombe, les pays sahéliens en vivent les conséquences. Je pense que l'histoire ne nous a pas trompés aujourd'hui, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger ou d'autres pays même. Tout le monde est en train d'en prendre plein la figure parce qu'on a déstabilisé la Libye. Ce qui est très intéressant du côté occidental, c'est de voir à quel point nous n'avons pas du tout vu que la Libye était africaine. Et la crise libyenne n'a été perçue que sous l'angle de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce qu'au Quai d'Orsay, ce n'est pas la même direction qui gère le Maghreb et le Mashrek que l'Afrique subsaharienne. On a coupé l'Afrique en deux. L'Afrique blanche est gérée avec le Moyen-Orient, l'Afrique noire est gérée indépendamment. Or, le désert n'est un obstacle que pour les Occidentaux. The desert is the land of the Tuaregs, who for years led rebellions against the central power in Bamako without ever securing the autonomy they claimed. Iyad Ag Gali was the hero of the Tuareg cause in the 1990s. His reign went down in history,
Negotiator of the 2003 hostage taking, he became radicalized by the preachers of the Tabli and ended up joining AQIM. Today, he is the most wanted jihadist in Mali. The return of fighters from Libya reactivated the Tuareg cause. The younger generation took the matter in hand and formed the MNLA, the National Movement for the Liberation of Azawad, with a clear objective: independence at any cost. Les combattants de l'Azawad sont déterminés à crier haut et fort Azawad jusqu'à ce qu'ils soient libérés. In 2012, Iyad Ag-Ghali clearly showed off the religious dimension of his fight, but the Tuareg cause still meant a lot to him. He gets closer to the MNLA. Je pense qu'Iyad, son idée, c'était d'avoir la gestion politique du MNLA. Sauf que les MNLA, ça a été créé par des jeunes, et ces jeunes-là, ce sont les leaders politiques. Et c'est à la suite de cela, je pense qu'il a eu l'idée de créer son mouvement en parallèle, quoi. Iyad Ag-Ghali called his movement Ansar Dine, the defenders of religion. Their demand was clear: the establishment of Sharia law in Mali. En fait, on n'avait pas la même vision. En fait, ils voulaient parler de l'islam, et pour nous sommes des musulmans. L'islam, c'est la priorité des priorités dans nos sociétés. Mais pas nous amener une idéologie extrémiste qui coupe les mains, qui tabasse les femmes, qui refuse un certain nombre de choses. Pour nous, c'est extérieur à notre société, ça. Et quand on ne s'est pas compris, je me rappelle bien, il disait, c'est pas grave, on ne se comprend pas, mais on a les mêmes adversaires en face de nous. Vous, vous combattez, moi, je serai à côté de vous. The Malian state had succeeded in uniting an unprecedented assembly against them. On one side, the Tuareg independence fighters of the MNLA. On the other, the jihadists of Ansar Dine, Iyad Ag-Ghali, and also of Al-Qaeda in the Maghreb and the Movement for Unity and Jihad in West Africa. Tout au long des années 2000, le pouvoir ATT a été alerté, mais il ne voyait pas la menace de ces groupes pour le Mali. L'État malien n'a jamais pensé que ceux-ci peuvent au moins momentanément avoir partie liée avec d'autres qui ont des velléités indépendantistes pour s'attaquer à l'État malien. The third act of the Malian crisis began on the 17th of January 2012. The MNLA launches an offensive and seizes the town of Menaka. The unlikely alliance of Tuaregs and jihadists topple the major northern cities of Timbuktu, Gao, and Kidal. Chaos strikes the Malian army. Il faut se rendre compte de ce que c'est que ce territoire. 1 200 000 km², une géographie et un climat absolument épouvantable, extrêmement difficile, tout devient compliqué. Donc l'armée malienne, avec quelques milliers d'hommes, tenir des espaces comme ça, extrêmement difficile. Considérant l'incapacité du régime à lutter de manière efficace contre le terrorisme et à restaurer la dignité du peuple malien, le CNRD. The Malian army heads for the north and overthrows President ATT in Bamako. Confusion is at its height. To reassure the international community, the soldiers appoint a transitional president, Diomkunda Traoré, former president of the National Assembly. Je crois que ça a été une prise de conscience pour les Maliens et pour nous, pour les extérieurs. C'est là qu'on s'est rendu compte véritablement que tout ce système du président Touré était très artificiel, tenait sur des accords, sur des tout ça était extrêmement fragile, et tout a volé d'un coup. The MNLA Tuaregs may proclaim the independence of Azawad, but it is the jihadists who are in control of the major cities in the north. À l'arrivée à Gao, on s'est rendu compte que non seulement il y a Akmi, il y a Ansar Dine,
Et il y a les Moujaou aussi. Et toutes ces organisations-là, c'était des organisations qui avaient les mêmes objectifs, qui avaient les mêmes projets de société et qui étaient presque les projets contradictoires avec celui de MRLA. Le reste de l'histoire est connu de tout le monde. On nous a chassés de Gao, on nous a chassés de Melaka, de Kidal et de partout. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas Azawad, c'est l'islam. L'islam, là. On veut pratiquer la charia, ce n'est pas à Tombouctou. On veut pratiquer dans tous les Mali, même à Kolongeba, à Bamako, à Kaï, à Menaka, à Tessalit. L'islam, pas plus. C'est un dossier sur lequel je n'ai pas à prendre une décision. C'est une affaire interne au Mali qui nous préoccupe parce qu'il y a une menace terroriste pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et les chefs d'État que je connais, Niger, etc., me disent combien ils sont inquiets, préoccupés de cette détérioration. The third act of the Malian crisis closes in on Islamist barbarism. The country has lost its territorial integrity, the north is under jihadist occupation and follows the rules of Sharia law. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! How was this period of occupation experienced by the younger generation in Mali today? Aminata is an author, a tireless campaigner that promotes reading and libraries in schools. Aminata and Massoud have just got married. Aminata has always lived in Bamako, while Massoud spent his childhood in Timbuktu during the jihadist occupation. C'était des moments les plus difficiles de mon enfance, des moments caractérisés par radicalisme, déchirure, nostalgie, séparation. Couper des mains, exécuter des personnes, châtier des chefs de famille, châtier encore plus des femmes sur la place publique, c'était quelque chose qui ôtait toute la splendeur, toute la dignité du quotidien tomboxien. C'est une empreinte qui a sali le nom de l'islam. Nous apprenons, les images circulent partout, qu'il y a des destructions de sites prestigieux, de documents. On voit les mausolées de Tombouctou mis en pièces, et ça crée une émotion internationale très forte. Mais de là à ce que la France, parce qu'il y a cette agression contre des monuments, contre des personnes, des femmes qui sont également flagellées, des hommes, parfois des enfants qui sont amputés, enfin des actes barbares, nous n'avons pas la capacité juridique ni politique pour intervenir. Et c'était une affaire entre Africains. Moi, tout aussi bien que mon cercle d'amis féministes, on était très choqués par tout ce qui s'est passé, la violation des droits, la violence physique qui était portée surtout aux femmes. Quand on est femme et que l'on entend qu'on a fait tel acte de violence à une autre femme, c'est un déchirement profond, au fait. On a l'impression d'être à la place, au fait, de la personne. Et c'était un sentiment très choquant pour nous, très choquant. C'est la peur. La peur partout. Quand tu sors, c'est les armes. Quand tu dors, c'est les armes. Quand tu te réveilles, c'est les armes. Ce ne sont que les armes qui parlent. C'est la jungle. C'est la raison du plus fort. On ne sait même pas qui règne au niveau de la zone. C'est le désordre total. Les instructions politiques qu'avaient reçues les militaires, c'était « no boots on the ground ».
Et donc, la stratégie, c'était d'aider à monter en puissance une force africaine et les laisser traiter le problème entre Africains. Les services de renseignement nous ont dit qu'il y avait des interceptions qui demandaient à tous les gens qui étaient en armes du côté des islamistes de rallier des positions, etc. Puis l'Élysée hésitait encore, pour des raisons qui sont le retour de l'ex-colonisateur, le procès qu'on pourrait faire. Et à un moment, un des services de renseignement a fait état d'une interception d'un chef djihadiste qui aurait dit « C'est maintenant, mes frères, demain nous irons prier dans la mosquée de Sévaré. » Iyad Agrali, parce que c'est lui, a regroupé un nombre de combattants assez impressionnant, avec une force de frappe impressionnante, et il se dirige vers le verrou militaire de Mopti Sévaré. Et on sait que si ce verrou militaire saute, bah c'est la porte vers Bamako. Président Traoré m'appelle et me dit « Nous sommes devant une agression et ces forces sont déterminées à aller jusqu'à Bamako. » Et à partir de là, le président a dit « Dans ces conditions, on n'a pas le temps d'attendre la montée en puissance de la force africaine, il faut y aller. » On y est allé, c'était le 13 janvier. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Je sais l'effort qu'il reste à faire. À la fois retrouver l'intégrité territoriale de tout le Mali. Aucune ville, aucun village ne doit être occupé par des terroristes et échappé à la souveraineté du Mali. Il y a eu un large soulagement. Les terroristes ont été chassés. Une forme de sécurité minimale a été introduite. Donc tout le monde ferme les yeux en disant, finalement ça va, c'est le plus gros effet, c'est réglé. Alors que rien n'est réglé. Ce qu'il faut dans ces périodes-là, c'est utiliser l'accalmie précisément. Le fait que les terroristes ne soient plus dans une position aussi menaçante pour structurer, aider. Et de ce point de vue, l'Europe, le monde n'ont pas été au rendez-vous. At the time, the priority was the election of a new president, the sacrosanct return to constitutional order. The international community is reassured. Ibrahim Boubacar Keita, known as IBK, is elected with a large majority. Hope is sparked in Mali. La France n'a pas vocation à rester au Mali. Nous avons en revanche un objectif, c'est de faire en sorte que lorsque nous cesserons notre intervention, il y ait une sécurité au Mali et qu'il n'y ait plus de terroristes qui menacent l'intégrité du Mali. Je pense qu'il y avait probablement deux bretelles de sortie pour la France, pour sortir de l'autoroute de la crise. Là. La première bretelle de sortie, c'est quand on avait libéré tous les centres de population maliens. Là, on pouvait dire, on est venu pour supprimer la mainmise des islamistes chez vous, on l'a fait, à vous de jouer. On ne l'a pas fait. Ensuite, il y avait une deuxième porte de sortie, c'était après les élections. De dire, vous avez un président légitime, donc maintenant l'État va reprendre son cours et c'est à vous de faire ça. On ne l'a pas fait non plus pour une raison principale, c'est qu'il n'y avait pas d'État. Il n'y avait pas d'armée, il n'y avait rien. Et on s'est dit, maintenant qu'on a payé ce prix-là pour chasser les islamistes, si on s'en va et qu'ils reviennent, c'est encore pire. Et donc du coup, on s'est dit, on va attendre un peu, 8 ans. The French military gradually found itself at a dead end. Without political remedies, a security response could not be the only solution to the Malian crisis. The UN, which was deploying one of the largest peacekeeping missions with over 11,000 peacekeepers, would face the same difficulty. The Malian state had collapsed.
But had it ever existed in the rural areas? The center of the country was to be the scene of massacres. The fertile land of the inner Niger Delta had allowed Fulani herders and Dogon farmers to live in harmony for a long time, but the environment gradually deteriorated. The management of resources generated intercommunal conflicts with violence rarely witnessed before. The massacre in the village of Ogosagu claimed more than 160 victims from the Fulani community and was followed by other massacres, this time targeting the Dogons, opening an infernal cycle of revenge. The jihadists relied on community frustrations, adding a religious dimension and fueling the conflict. Amadou Koufa, a figure from the Peul community, created his movement, the Massina Katiba. He joined Iyad Agali to fight the common enemy, the state. Quand vous écoutez le premier message en 2017 de monsieur de Koufa, lorsque il s'est adressé au Poulakou, c'est-à-dire la communauté Peul et ses alliés, il a dit nous voulons changer de mode de gouvernance. Nous voulons changer les modes de gestion de la justice. Nous voulons changer les formes d'impunité et nous voulons désacraliser tout ce qui concerne l'État et ramener une autre forme. The state, without the means to provide security and justice, is unable to put an end to intercommunity violence. The Dogon village of Sanga has been the target of murderous attacks that have led Mayor Amadou Dolo to seek refuge in the suburbs of Bamako. He was a guide at a time when Dogon country was a popular destination for tourists from all over the world. J'ai été témoin des massacres dans ma commune et la population a tenté de se défendre à l'absence de l'État. Et lors des attaques, on les appelle, ils ne viennent pas. Nous, on pense que l'État nous a abandonnés. On se demande même si on est réellement malien. On est nationaliste, on est patriotique. Mais pour être patriote et nationaliste, il faut être en vie. Un cadavre n'a pas de patrie. On doit tout miser dans la sécurité. Tout. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et il est grand temps que Bamako prenne conscience, que les décideurs du Mali prennent conscience qu'on est en guerre. And yet, while billions have been spent by the international community for decades in the name of development, they have not prevented this disaster. In October 2015, at the Paris Conference on Mali, donors promised 3.2 billion euros to revive its economy and institutions. On the riverside, in Jikorini, as in most of Bamako's neighborhoods, daily life does not change. No job prospects. The wages of small jobs continue to amount to cents. Ambassa, Scoma Langla Motorum de Pussy, a male Logon de Fire. Madame Roman Mondru, Dom, why Logotuta Duru Agreta? Amo Consolama, Poo, Amogofen Marasego Sorati. Fine, one terrier door, Bora Malo, Luther Aventura France. Malam de la Bigau Soma. Moi, je vais aller en France, mais je n'ai pas les moyens pour aller voir moi. La communauté internationale, c'est-à-dire le bilatéral aussi bien que le multilatéral, depuis les indépendances, tout ce qu'ils nous ont donné comme programme a échoué. Lamentablement. Aujourd'hui, je ne vois pas une structure financée par la Banque mondiale ou les FMI, une bonne structure qu'on peut montrer à tous les Maliens. Voilà, ça existe depuis 30 ans, depuis 20 ans. Je ne vois pas. Est-ce qu'ils ont investi dans une industrie qui existe encore?
Moi, je regarde toujours nous-mêmes. La première responsabilité dans nos pays, dans nos malheurs, c'est nous-mêmes. Quand vous voyez la façon dont nos budgets sont présentés, on dit voilà le budget, voilà le déficit, et le déficit va être couvert par l'aide budgétaire, par l'aide de... Voilà. On fait nos planifications en tenant pour acquise l'aide. Et donc l'aide crée un effet de soporifisant. Quoi. Si nous commençons à vivre avec l'aide, c'est un peu comme le toxicomane qui apprend à vivre avec la drogue. Et ça, ça ne guérit pas. The record of official development assistance is damning. Lacking coordination and a coherent strategy, the aid tap on which a multitude of NGOs and other institutions are connected continues to flow without anything changing. Business as usual, as they say. Quand vous regardez ces programmes intervenir, ils ont des frais de fonctionnement énormes. Donc ça fait vivre beaucoup de monde. Les paires d'IEM, les véhicules 4x4, les machins. Tous ces Occidentaux qui à Bruxelles, qui à Paris, qui sur le terrain sont les employés de ces grandes organisations, qu'elles ce soient des ONG, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la Commission européenne, tout ça, mais ces gens-là, ils vivent de ça. C'est aussi leur fonds de commerce. Donc qui va se mettre un jour autour d'une table en disant « Franchement, là, ce qu'on fait, là, ça sert à rien, il va falloir qu'on change de méthode. » A lack of efficiency added to the bad practices of certain Malian public actors who embezzle funds. Comment se fait-il que un général qui n'a que 45 ans qui puisse avoir des milliards sur lui? C'est impossible. Ils sont milliardaires. Et au vu aussi de tout le monde, devant la Banque mondiale qui est là, qui a une représentation, qui voit, qui continue à donner de l'argent au Mali, le FMI qui est là, qui regarde, qui voit, les chancelleries sont là, personne ne dénonce. Soit disant, bon, c'est... Il y a un vérificateur général au Mali. Il y a un vérificateur général qui vérifie les comptes. Son travail, il publie son rapport en montrant voilà, les dysfonctionnements, and so what. Embezzlement of public funds, favoritism, and influence peddling. For example, the offenses linked to the overpricing of IBK's presidential plane amount to 200 billion euros. Mais on est responsable de la situation au Mali. Enfin, les Maliens en sont responsables, tout autant que nous, les bailleurs, nous en sommes responsables. On sait très bien ce qui se passe. On sait très bien qui est corrompu. Donc ni tout le que il te sera rien sur là. Ah bon. Non, fini, non, moi, tiens, moi, je vais me faire ça. Ah, nous, on va te faire ça. Ah, pour ça, là, moi, je vais me faire ça. Il y a un peu de temps. What is left of the promise of democracy when corruption is on an institutional level? We met Adam Diko, an activist present on social media who founded her own movement, the Association of Youth for Active Citizenship and Democracy. Mm.
nous, notre travail a été vraiment de démontrer que ce n'est pas la démocratie qui est notre problème. Notre problème, c'est notre mode de gouvernance, c'est-à-dire ce système qu'on a mis en place qui favorise la corruption, qui favorise le népotisme, qui favorise tout l'injustice et autres, qui est le problème. Sur les questions de corruption, les réseaux sociaux nous ont aidés à ce point. C'est incroyable le pouvoir des réseaux sociaux. Vous pouvez aller chercher votre carte d'identité dans un commissariat. Le policier vous dit que la carte d'identité coûte 15 000 francs. Et pourtant, vous savez que la loi dit que c'est 1 000 francs. Mais le simple fait de publier sur les réseaux sociaux pour dire dans tel commissariat, ils sont en train de vendre les cartes d'identité aux populations à tel montant alors que la loi dit ça. Le simple fait de le publier sur les réseaux sociaux, les minutes qui suivent, vous repartez dans le même commissariat pour chercher votre carte, ils vous donnent au prix. Ils vous donneront au prix normal. Aujourd'hui, les jeunes parlent des questions de gouvernance, les jeunes parlent des questions de démocratie. Et je trouve les jeunes Africains, les jeunes Maliens beaucoup plus engagés sur ces questions. Et c'est ça qu'il faut encourager. Et ça, les réseaux sociaux l'ont beaucoup facilité. Le coup d'État est un crime imprescriptible dans notre constitution. Le coup d'État entrave la démocratie. Et nous sommes un État en quête de ce qu'on appelle des maturités démocratiques. La démocratie, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Ça va? In 2020, a massive protest was organized to demand the impeachment of IBK. Political leaders united to denounce bad governance. But it was a cleric, Imam Mahmoud Diko, who took center stage. The moral authority of the imam appears to be a recourse to corrupt democracy. On the 18th of August 2020, Mali suffered a blow as its military seized power in a coup. But the protest movement opened a new path. Islam blocks off the political field. Imam Diko embodies the purest wave inspired by Saudi Wahhabism. Her fervent preaching resonates far beyond the mosque. The imam intends to play a role and propose her vision to fight against the moral collapse that is destroying Mali. By speaking out in 2009 against a reform of the family code that gave more rights to women, or even more recently against a draft sex education manual that mentioned homosexuality, Imam Diko is claiming positions that most Western democracies denounce. Les religieux aujourd'hui sont beaucoup trop présents sur la scène politique. Parce que pour moi, le religieux a accès à d'autres espaces que l'homme politique normal n'a pas accès. Il a accès à la mosquée, il a accès à des fidèles qui prient derrière lui, pas à cause de sa personne, mais à cause du message qu'il porte, qui est le message pour moi, du message d'Allah. Mais aller sur le champ politique ou sur d'autres champs avec la couverture religieuse, c'est ce qui est très dangereux et ceci ne va pas contribuer à régler la crise. Adam Diko does not want to leave it at that. Like others of her generation, she wants to speak out loud and clear on these issues. Là, quand je prends un peu la mosquée qui peut être transformée en quijote de campagne pour un candidat, là, on peut dire que oui, si ça continue dans ce sens, la laïcité peut être en danger. La laïcité peut être en danger dans le sens où certains leaders religieux peuvent avoir la possibilité de s'immiscer dans la gouvernance. Islam and politics. Never before have these two words given rise to so many speeches, radio streams, and television and social networks every day. Le Mali est un pays qui est, qui a été et qui sera laïque. C'est 90 ou c'est 96% des Maliens qui sont musulmans. Ils ne sont pas tous pour l'islamisation du Mali. Dans les textes, notamment la charia, ils ne sont pas pour. Donc je pense qu'il faut respecter cette position des uns et des autres. Et le Mali, dans ce processus, ne verra pas un État islamisé, ce que tout le monde craint, la charia. Et moi, en tant que femme, je suis musulmane et pratiquante. Je ne vais pas dire très pratiquante, mais pratiquante.
Du coup, c'est un sentiment de... mais est-ce que je suis sur la bonne religion ou c'est eux qui sont sur la bonne religion? Et lorsque je regarde l'histoire de l'islam au Mali et même dans le monde, je me dis que oui, je suis sur la bonne voie et que ces gens-là veulent usurper le vrai islam. Radical Islam, under the rules of Sharia law, is precisely what the two major jihadist movements, Iyad al-Ghali's Islam and Muslim Support Group and the Islamic State in the Greater Sahara, want to establish. Despite the presence of the French military, their allies, and their Sahelian partners, these two organizations control a large part of Mali. Thousands of schools have been closed by the jihadists, who have targeted French language education. Generations of school dropouts will join the ranks of the armed groups, a real setback for Mali. It's difficult to forget the classrooms full of children, the education of girls, which was progressing well before the crisis, as in this school in Fatoma in central Mali. Images that belonged to a time when their access to school was the pride of its director, Mahmadou Fofana. Tout le monde s'est impliqué afin qu'on ait le maximum de filles à l'école. Quand une fille est instruite, c'est comme tout le village est instruit. C'est ça, 15 years later, Mahmadou Fofana confides one of the few testimonies of what is happening today in Fatoma. Les djihadistes sont là-bas. Ils ont fait un tour dans toutes ces écoles et ils te disent de fermer. Quand tu ne fermes pas seulement, quand on te trouve la prochaine fois ici, toi-même tu sauras ce qui va se passer. En 2019, mon présent de chez IS, qui s'appelle Yaya, ils ont été jusque dans sa famille, ils l'ont égorgé. Donc cela veut dire que si moi j'étais là-bas, peut-être qu'on allait m'égorger également. Moi je n'ai pas peur maintenant. Même si je vais tout de suite, il n'y a pas de problème. Mon ami. The largest French base in Mali is located in Gao, over 1,000 kilometers from Bamako. Impressive, but to what end? Jihadist groups continue to hold power despite the military paying a high price in eliminating their main leaders. Suspicions of military errors in the Bounty village have further tarnished the image of Barkhane, which is gradually being perceived as an occupying force in the eyes of part of the population. The brotherly country that liberated northern Mali has once again become, for some, a former colonial power. But beyond the squabbling, Malians unite in aspiring for one thing: to be able to live in security. The music that the jihadists seek to ban still plays in the streets of Gao. But for how long? Ce que je vois s'installer de manière généralisée, c'est un doute, un pessimisme et vraiment un sentiment d'impuissance qui est prêté à la France en tant que telle. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus pervers et beaucoup plus inquiétant en réalité. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben, la France, peut-être qu'ils essaient de nous aider. Mais en réalité, ils n'y arrivent pas et leurs solutions ne sont pas adaptées. Thank you.
Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel. Cette transformation se traduira par un changement de modèle, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération des pays de la région qui le souhaitent. The announcement of the end of Operation Barkhane was requested by the military junta, which insisted on the failure of the former colonizer, fueling anti-French sentiment. Le Mali n'est pas seul et le Mali ne restera pas seul. La France peut partir. Les pays européens peuvent partir, mais je n'anticipe pas. Donnons le temps au temps et vous verrez ce qui va se passer. The junta's strategy is to convince the people to turn their backs on France. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. After his statement at the UN, Choguel Maiga was welcomed as a hero. Behind the carefully staged indignation, his speech had only one objective: to denounce French abandonment to justify a change of alliance. Chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile et nous nous tournons encore vers cet ami pour qu'il puisse nous aider à sortir. Mali and Russia renewed their historic ties, sealing a military partnership of a new alliance. A communication operation was underway with the delivery of Russian helicopters making the news on television. On social media, propaganda relayed by fake journalists circulated on countless videos. Bonjour, chers internautes. Les Maliens, ouvrez vos yeux. Suivez vos cinq colonels. Nous demandons au gouvernement malien, si vous voulez libérer votre peuple, ne respectez aucune loi, ni de la CEDEAO, ni de la communauté internationale. This factory of misinformation was intended to denounce France, the supposed enemy of Mali. La Russie a toujours été un bon ami pour le Mali. Si vous voyez aujourd'hui la France invente des histoires pour stopper la coopération malienno-russe, c'est parce que la France n'est rien sans le Mali. In this turbulent environment, military dictatorship to restore the state appears to be the only solution. According to official discourse, the Malian armed forces are fighting valiantly against the jihadists. But the presence of the Russian Wagner militia on their side is no longer a secret, and they are already guilty of many abuses against the civilian population, potentially leading vulnerable communities to turn to jihadists or local militias to ensure their security. The tragedy in Mali continues. The jihadist threat has not disappeared. Good governance has become a mere slogan, and democracy a distant memory. On their part, France and its European allies are leaving Mali, but do not want to abandon the Sahel. Burkina Faso and Niger are suffering from the same problems, and coastal countries are also under threat.
if Islamist terrorism cannot be eradicated, it must be contained. But at what cost? Meanwhile, civilian victims are multiplying and remain the forgotten victims of this crisis. The violence in the Sahel has displaced more than 2 million people, a figure that has quadrupled in less than 2 years. These refugees are settling wherever they can, as in this no man's land, forgotten by the world, near Ouagadougou in Burkina Faso. They are not invading Europe. They are just trying to survive. Thank you.